en fait, parfois, il faut enlever les batteries pour y accéder au disque dur. Bah, ce qu'on a vu sur le premier, le disque dur, bah, il était sur le coin, donc c'était facile. Pour d'autres, normalement, il faut sortir la batterie, dévisser quelques vis, et après, vous serez accédé au disque dur. Et là, il y a la vis pour la batterie. Donc là, parce que il y avait pas le disque dur qui était là, je l'ai mis dans l'autre PC. Donc en fin de compte, là, je vais le remettre dans son place. Et après, bien sûr, le disque là, il se ressemble. Par contre, il y avait des pièces d'adaptation. Et du coup, je l'ai enlevé pour que je puisse l'insérer sur l'autre. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est la connexion. Le banc, la connexion. Donc en fin de compte, la petite, la grande. Je vais le connecter. Et je vais remettre donc les pièces d'adaptation. Ils vont permettre juste de fixer le disque dur dans sa place et c'est tout. Donc là, c'était la vidéo pour montrer comment changer le disque dur d'un PC à un autre. Après, ça demande aucun réglage. Donc là, il faut juste allumer le PC et c'est tout. Il n'y aura rien qui vous sera demandé. Donc là, je vais mettre les vis et c'est tout. J'espère que ça a été utile pour vous et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.